Yo les bros, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Fitz. On se retrouve de bon matin pour aller parler de Dragon Ball Legends. Dans cette vidéo, on va parler du nouveau Trunks qui arrive, le Trunks Free to Play. On va l'analyser rapidement, mais je vais aussi vous donner les news qui vont arriver sur le jeu avec notamment une pelletée de nouveaux items et un item qui va être beaucoup plus intéressant que les autres. Je vous parle bien entendu de l'item de Cell Ça y est, Cell obtient son item unique et vous allez voir, il est absolument craqué. Cet item de celle LF, donc je vous propose qu'on passe directement sur euh, Twitter pour aller voir un petit peu toutes les news euh, qui ont été postées ce matin. Donc, direction déjà l'un des prochains portails euh, qui va sortir aujourd'hui même. Hein, un portail euh, sur les personnages Legends Movie Saga, comme vous pouvez voir, Broly, donc les personnages de, euh, du film Broly, tout simplement Dragon Ball Super. Donc, avec le tag LF, le Broly LF et le Gouche Tabloo LF, bien entendu, bien entendu on vous conseillera de skip ce portail. Hein. Même si c'est un Sparking garanti par multi-invocation, n'invoquez surtout pas sur ce portail. L'anniversaire arrive à grands pas. Il y aura certainement même un élève avant l'anniversaire. A la rigueur, si vous souhaitez invoquer, attendez ce élève. Mais n'invoquez pas sur ce portail qui m'a l'air pas très bon. On a ici un item unique qui, il semblerait, serait pour les personnages cyborg. D'ailleurs, vous allez le voir, il y a quand même pas mal de chances que le prochain élève soit en effet un élève cyborg. Base blast attack, donc attaque de base. Euh, attaque blast de base, pardon. Jusqu'à 20%. Donc, déjà, la première ligne, elle est vraiment sympa. Défense Strike Blast et Défense euh, Strike. Euh Défense Strike, pardon, de base, et Défense Blast, de base, jusqu'à 15%, excusez-moi, il est 7h du matin, donc forcément ça picote un peu, et Attaque Strike, de base, plus 30%. Donc un item quand même plutôt sympathique, honnêtement, hein. on pourrait très bien imaginer notamment le jouer sur Cell LF lui aussi, hein, puisque 30% d'Attaque Strike supplémentaire, 15% dans les deux lignes défensives, juste ça en fait hein. Juste ça là, 15% dans les deux lignes défensives et 30% d'attaque strike, ça aurait fait genre un excellent item gold, genre un item gold éveillé. Vous rajoutez 20% d'attaque blast en plus, bah ça fait un item, un item unique tout simplement. Normal que euh, l'item va être un petit peu dur à farmer, mais normal qu'il ait ces valeurs là quoi. Je pense sincèrement qu'on est sur un item de plutôt bonne qualité, même si ce n'est pas forcément le meilleur des items platine. Non plus, encore que, un double attaque, euh, double attaque, c'est vraiment sympa quand même. C'est dommage que ça n'ait pas à 35% sur l'attaque strike, mais c'est quand même vraiment sympa. Également, un autre item, il semblerait que ce soit un item pour les trunks strike. Alors, si c'est bel et bien un item qui est réservé aux personnages trunks type physique, euh, moi, je demande à voir Trunks Ikari avec ça, hein. Puisque l'item, les gars, il me semble quand même bien énervé. Moi, honnêtement, il a de la, un bonus de, de soins, comme vous pouvez voir ici, de 10%. Et un bonus de key recovery de 10%. Donc, bien entendu, c'est très fort sur Trunksikari. Hein, parce que Trunksikari, il a énormément de soins grâce à sa jauge unique euh, plus son main. Et euh, le key recovery sur Trunksikari, c'est méga fort une fois qu'il a la vitesse de pioche pour pouvoir enchaîner les cartes. Donc, ça, c'est très intéressant. Défense Blast jusqu'à 23%. Donc, on dépasse la, symbole, la, la ligne symbolique, un petit peu entre guillemets, la valeur symbolique des 20%. Donc, ça m'a l'air pas mal du tout, ça aussi. Et enfin, pour terminer, Attack strike jusqu'à 30%. Donc, euh, également un très bon item. Hein. Attention, c'est un item éveillé. Donc, ça demande des ressources du time rush. C'est compliqué à farmer, etc. Mais pour Trunks Ikari, euh, l'item m'a l'air franchement très, très, très carré. Alors, euh, j'ai du mal à voir si c'est pour les Trunks Strike, un autre personnage qui pourrait autant en profiter que lui. On pourrait parler du nouveau Trunks Free-to-play, mais aller farmer un item euh, éveillé pour un, une unité Free-to-play, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Mais pour ceux qui adorent jouer Trunks Ikari, honnêtement, je vous conseille de le farmer. Le nouveau Trunks, le voici, il est de type jaune, je vous l'avais dit hier, je l'avais pressenti, type jaune, ça m'aurait pas étonné, puisque même si Amira et Gohan, c'est un peu léger en et notamment en jaune, au niveau des stats, on a 2,3 millions un petit peu plus de, de force. Donc, euh, en termes de force, c'est peut-être un chouïa léger, mais globalement, les unités free to play ont quand même vraiment des bonnes stats là, hein, qui sortent. Hein. Regardez ça, les gars, offensivement, on flirte avec 250 000 en valeur strike, 245 000 en valeur blast, et 166 000 quasiment hein, en défense strike, et 166 000 validés en défense blast. Donc, honnêtement, des valeurs euh, statistiques qui sont clairement honorables pour le Trunks. Et après, on a le kit sur euh, le, euh, le, le Twitter du frérot Miguel. Hein. D'ailleurs, les, les screens viennent de, euh, du Twitter du frérot Miguel et également. Zied, pour ceux qui connaissent, sur. Twitter, donc le trunk, c'est absolument magnifique et le kit, le voici. Ça commence par là. Alors son main va lui permettre de gagner 50 de qui. On sait que son main lui permet de détruire toutes les cartes de sa main et en repiocher 4, Donc avoir 50 de qui, c'est très intéressant. D'autant plus qu'on va le voir par la suite. Il a de la réduction de coût des cartes sur euh, son kit. Donc il va pouvoir jouer ces cartes là plus facilement avec 50 de qui. Et bien sûr, il a également une nullification de la mise à cover des adversaires pendant 10 secondes plus 25% de dégâts infligés uniquement strike contre les personnages loe donc un bon bonus quand même hein, contre les loe 25% de dégâts strike ça peut être intéressant les effets suivants s'appliquent lorsque le personnage entre en scène plus 70% de dégâts infligés ça peut pas être stacké bien sûr 40% de réduction native donc euh, un boost moyen par contre tu mets un bon boost de, de réduction quand même hein, les 40% natifs 70% de dégâts par contre c'est pas ouf en boost natif maintenant les effets suivants s'activent lorsque l'adversaire switch de, de personnage hein, donc euh, tout simplement lorsque vous avez vous allez affronter un nouvel euh, adversaire avec Trunks, vous allez réduire le temps d'attente des alliés de 2, donc ça c'est très fort. Maintenant, le problème c'est est-ce que Trunks va mettre assez de pression pour faire switcher les adversaires Ça c'est une autre question, honnêtement. Vous avez également une réduction euh, de dégâts euh, reçus de, de 20% pendant 10 secondes. Donc je rappelle qu'il a déjà 40% de base hein, sans limite de temps. Donc euh, si jamais vous, aurez, vous, vous arrivez à faire switcher et que par exemple, bah, je sais pas, il y a une mise à cover strike et que vous prenez une spé derrière, vous avez quand même énormément de réduction pour pouvoir tanker cette spé par exemple. Et du manière général pendant 10 secondes, vous avez la réduction hein, puisque c'est pas jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. Et en plus de ça, ça par contre c'est très intéressant, vous piochez une carte si vous en avez 3 ou moins. Ça c'est très 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 fort. Ce qui va manquer c'est du ki en fait. Hein. Il manque du ki de la génération de ki là-dessus pour que ce soit parfait. En plus de ça, on réduit euh, notre propre temps d'attente de 1 à chaque fois qu'on a un membre de l'équipe qui se fait toucher par une strike, par une blast ou par une spé. Donc c'est quand même plutôt sympathique ça, puisque ça va pouvoir nous permettre de bénéficier plus simplement des 40% de dégâts. Euh, de réduction de dégâts, voire même des 20% supplémentaires, puisque je pourrais très bien cover avec Trunks, l'adversaire switch de manière offensive, et mon Trunks prend un bonus de défense supplémentaire, et d'ailleurs réduit le temps, à temps des alliés, etc., ça marche aussi. Et que la pioche qui ne marche pas, a priori, si je suis en train de me faire combo, il y a de forte chance que j'ai déjà 4 cartes en main. Le passif 2, les effets suivants s'appliquent à chaque fois que ce personnage utilise une carte d'art, plus 20% de dégâts infligés, ça monte jusqu'à... 3 fois, donc au final le trunk ça a quand même un très beau bonus de dégâts hein, au final, mais pour ça il faudra utiliser 3 cartes d'art à chaque fois vous rentrez en scène pour les chercher 70, 90, 110, 130% de dégâts au maximum. Mais le problème c'est qu'après 3 cartes, bah, le perso n'a pas de vitesse de pioche, donc euh, c'est pas forcément dit qu'il est quelque chose à jouer derrière si l'adversaire n'a pas switché et si vous avez déjà main. Donc peut-être un peu compliqué dans certaines situations. Les effets euh, suivants sont reset à chaque switch. Vous avez également moins 3 de coups des strikes et moins 3 de coups des blasts à chaque carte jouée. Donc, pareil, jusqu'à 3 fois. Donc, ça, c'est ce que je vous disais hein, qui va être très fort avec le main. Vous faites votre main avec Trunks, vous activez le main, vous gagnez 50 de qui, mais toutes les cartes coûtent 9 de moins. Donc, finalement, vous avez probablement de quoi jouer la main que vous avez piochée avec 50 de qui, du moins une bonne partie. Et je rappelle que l'adversaire ne peut pas cover. Là aussi ça se reset à chaque switch et vous avez également moins 10 de réduction de l'adversaire à chaque carte lancée qui s'active là aussi trois fois donc de la percée tout simplement qui également se reset à chaque switch. Donc on a quand même euh, des bonus intéressants mais il va manquer il manque un petit en fait il manque soit du ki, soit de la vitesse de pioche ou les deux même Ki ou vitesse de pioche et c'était vraiment parfait là pour avoir un truc vraiment délire genre un personnage qui aurait pu être vraiment fort même si c'était un personnage gratuit. Mais vous allez voir, le Trunks, il a quand même une petite botte en plus dans sa poche. Les effets suivants s'appliquent aux alliés lorsque Trunks est mis KO. Il va soigner de 20% et il va donner plus 30% de dégâts qui ne peuvent pas être dispels aux alliés. Pourquoi c'est très fort Parce que je vous le rappelle, on l'avait vu juste avant, mais Trunks, il réduit son temps d'attente à chaque fois qu'un membre de la team se fait taper. Donc finalement, vous allez pouvoir décider plus ou moins de mettre Trunks sur un Rising Rush, de mettre Trunks sur un ultime, etc. etc. et essayer au maximum de le faire mourir en premier pour soigner la team et donner un bonus de dégâts. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal hein, quand tu vois ce que fait le personnage dans le reste de la game. Je pense qu'on est sur un bon, voire très bon perso free to play. Maintenant, overall, ça ne va pas être un perso excellent non plus. La carte bleue, euh, elle est en dégâts... Euh Élevé, je crois. Je crois que c'est élevé, Major. J'ai un doute, mais je crois que c'est élevé, ouais. Et euh, elle dispelle l'adversaire, donc ça, c'est plutôt pas mal. Elle dispelle l'adversaire 3 fois. Je sais pas pourquoi il y a le 3 absolument partout sur le kit du perso, comme ça. C'est peut-être un, peut un truc random, mais c'est peut-être également une ref euh, par rapport à quelque chose qu'il dit dans Dragon Ball, c'est possible. Euh, et au niveau de la carte verte, il pioche une nouvelle carte, il gagne 32 qui donc ça, c'est très bien, hein, parce que c'est ce qui lui manque sur le kit, donc c'est cool qu'il l'ait sur la verte quand même. Et plus 20% de dégâts infligés pendant 15 secondes. Au niveau de la Z. On va regarder la cap à 14 étoiles, hein, bien sûr, les gars. Plus 26% pour le tag futur et le tag euh, free to play d'attaque strike et de défense strike. Et 15%. Euh, pour les personnages qui sont à la fois futur et à la fois famille royale de Vegeta de Défense Blast. Donc une Cap Z plutôt sympathique hein, pour euh, de, du personnage free-to-play. Bien sûr, ce n'est pas une Cap Z qui concurrence les Cap Z des meilleurs persos premium du jeu. Mais ça reste quand même une Cap Z plutôt sympathique. J'espère que cette petite vidéo analyse vous aura plu. Euh, je vous ai parlé de l'item de sel Je vous ai pas parlé de l'item de sel J'ai oublié le plus important. On va parler quand même rapidement de l'item de sel. Parce que sinon... Euh Sinon il nous manque quelque chose d'assez de, de, colossal D'assez incroyable les gars Regardez l'item de Cell LF Regardez l'item de Cell LF Ok je sais pas pourquoi j'avais oublié de le mettre de côté Parce qu'il est 7h du matin probablement Défense Alors regardez ce que fait le slot 1 Je précise Ce n'est pas un défaut au hasard Le slot 1 fait tout ça les gars Donc Défense Strike Plus 25% Défense Blast Plus 25% Key Recovery Plus 25% Rendez vous compte hein. 25% de key sur celle LF. Le personnage qui charge-tape toute sa vie, qui a de la vitesse de pioche, qui va, qui va faire des combos de l'infini là. Et en plus de ça, basse critical plus 25%. Donc c'est-à-dire que le perso va même vous caler des coups critiques en plus de ça maintenant. Donc ça là c'est complètement craqué cette première ligne, mais attention ça s'arrête pas là. Hein. Ligne numéro 2. Strike attack plus 25%, Blast attack plus 25%, Inflicted damage donc tous les dégâts plus 20%. Et euh, quantité de régénération de force, plus 15%. C'est un truc de Barjo. C'est un truc de Barjo l'item. Et là, il manque le slot 3. Mais déjà, juste tu mettais ça. En fait, franchement, juste tu mettais ça. C'était déjà l'un des meilleurs it items uniques du jeu, je pense. Hein. Parce que 20% de dégâts, 15% de heal, 25% de recovery, recovery, 25% de critique, avec 25% après dans toutes les stats, bon déjà c'était solide. Hein. Mais en plus de ça, regardez le slot numéro 3. Donc le slot numéro 3 qui, euh, on va aller chercher la meilleure ligne hein, bien sûr pour le coup, c'est une de ces trois lignes-là. Quand tu commences le combat, tu as plus 35% de la jauge unique de sel-élève. La jauge unique de sel-élève est remplie à un tiers lorsque tu commences le combat. Et plus 15% de force. Est-ce que vous vous rendez compte du délire ou pas Plus 15% de force, les gars, c'est énorme. Plus 15% de force, hein, ça, ça représente... Euh, ouais, on va dire euh, 400-500 000 HP, je pense sur celle, tu vois, plus 15% de force. C'est fixe, c'est fixe. C'est pas genre euh, entre 8, entre 10 et 15. Non, c'est plus 15. C'est-à-dire que si tu as la grosse ligne, là, tu as plus 15% de force. C'est incroyable. Et plus 35%. Euh, mais c'est n'importe quoi ça aussi genre plus 35% de la jauge unique il va aller chercher sa jauge unique tellement vite avec le charge tape maintenant le CLLF que j'ai peur j'ai peur honnêtement mais tant mieux. Donc vous le voyez énormément de euh, buff a priori pour les cyborgs. Hein. Je rappelle qu'il y a également l'autre item unique hein, qui est ici qu'on peut également jouer sur celle. Hein, pourquoi pas euh, Là celle après il a quand même des valeurs stratosphériques. Hein, si on le joue avec les deux valeurs, les deux items uniques, ça peut être intéressant après à voir parce que celle a déjà plein de très bons items. Donc euh, c'est à voir quoi. Mais cet item là pour celle il est très bon aussi. Hein. Donc honnêtement j'ai hâte de voir celle LF avec tout ça. Euh, il y aura un showcase de Cell aujourd'hui avec son item unique. Alors je l'aurais peut-être pas en Z, hein, je l'aurais peut-être que en S. Mais, euh, mais on se retrouve aujourd'hui pour ça et pour le showcase de Trunks Free to Play. Portez-vous bien les frérots, désolé pour euh, j'ai du mal à parler un peu, vous savez, je suis un peu malade tout ça. Donc euh, puis il est tôt le matin, j'ai pas bien dormi vu que je suis malade. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Portez vous bien les gars, bye tout le monde. Ciao.